Bonjour, je suis Violaine Dufesse du Concert Impromptu et aujourd'hui je dois faire une troisième confimp, une petite conférence improvisée et impromptue. Et donc mon sujet c'est le cor anglais. Donc je vais vous dévoiler tous les mystères de cet instrument qui a un nom un petit peu étrange. Donc le cor anglais est un grand hautbois. Il est affilié au ténor dans cette famille, c'est-à-dire qu'il est juste en dessous du hautbois d'amour. Donc c'est un instrument à vent, à hanche double et à perce conique. Il a un petit bocal sur lequel on peut mettre l'hanche double, ainsi que un pavillon en forme de poire qui justement aide beaucoup à la sonorité chaleureuse et envoûtante du cor anglais. Le cor anglais apparaît courant 18e siècle, en Allemagne ou en Autriche. Il tirerait ses origines du hautbois d'acacia de Jean-Sébastien Bach ou du hautbois d'amour. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1830, le soliste de l'Opéra de Paris, Henri Brault, invente la forme actuelle du cor anglais, avec ce bocal et ce pavillon en forme de poire. Il y a plusieurs sources au mot cor anglais. Pour le cor, il s'agit de la corne, car sa forme était coudée, arquée, comme la corne, et donc partage son étymologie avec son confrère métallique, le cor. Pour le mot anglais, il y a deux possibilités. La première est qu'un Français serait allé à l'époque de Jean-Sébastien Bach écouter sa musique et aurait rapporté avoir entendu des Englishes Horn, des cors angéliques, avec une petite déformation orthographique. Le mot English Horn serait apparu et donc cor anglais. Des iconographies avec des petits anges représentent également des anges jouant du cor anglais. La deuxième hypothèse vient tout simplement de la forme anglais de l'instrument, donc avec l'angle, qui aussi, par une petite déformation de l'usage courant, donnerait anglais. Le cor anglais, depuis son apparition, suscite un intérêt particulier de la part des compositeurs. De par sa prestance, sa belle sonorité envoûtante, son côté mélancolique, champêtre. Rossini, dont Guillaume Tell, utilise le cor anglais pour rappeler ces alpages suisses avec les vaches et cette belle fête du rang des vaches. Berlioz, quant à lui, dans sa symphonie fantastique, l'utilise pour sa scène des chants, où on pourrait aussi entendre cette sorte de yodel suisse. Un des solos que j'aime particulièrement, il s'agit de Wagner, qui a utilisé le cor anglais pour le solo de Tristan, qui rappelle aussi quelque chose de très nostalgique et d'envoûtant. Il y en a encore des dizaines et des dizaines, jusqu'à Debussy, jusqu'à Stravinsky, et il y a une anecdote vraiment très rigolote au sujet de Stravinsky, et de son Sacre du printemps, c'est que à la base, le grand solo de basson qui est interprété au tout début du Sacre du printemps aurait été écrit pour le cor anglais, et en répétition, Stravinsky aurait entendu un bassoniste imitant ce solo, et il aurait été convaincu et totalement subjugué par la version du bassoniste dans l'aigu. Et dans la musique de chambre, au concert impromptu, le cor anglais a une place très importante. De par sa sonorité un peu plus grave, il permet aux quintettes d'exploiter des couleurs et des timbres beaucoup plus sombres et beaucoup plus graves. De nombreux compositeurs ont écrit pour quintette avant et hautbois jouant cor anglais. Dans ses œuvres contemporaines, on peut remercier Bernard de Vienne pour son quintette avant Sable, et aussi Bortoli pour Zelle Leise, car ils ont permis d'exploiter le cor anglais d'une manière contemporaine, avec des effets qui sont tout à fait révolutionnaires, en mon sens, et qui sont très peu exploités dans la musique contemporaine d'aujourd'hui. Il redore et donne de nouvelles lettres de noblesse à cet instrument. Le cor anglais est un instrument très stable et très homogène. Pour ma part, en tant qu'oboïste, je trouve qu'il est très important de jouer du cor anglais. Il permet à l'instrumentiste de trouver une souplesse
et d'enrichir notamment son spectre sonore vers les harmoniques plus graves. Le cor anglais, de par sa sonorité suave et délicate, est un instrument très très agréable à écouter. Quand on entend un solo dans l'orchestre, on s'arrête de suite et on écoute. Et c'est le cas dans Villa-Lobos et le quintet en forme de choros que nous venons d'enregistrer avec Stéphane Suchanek. À un moment donné, on entend le cor anglais et tout est suspendu. Bonne écoute !